Bon, là je m'en viens ramasser les vaches au package. C'est du pâturage qui est un petit peu trop mature. Beaucoup trop mature même. Mais on n'a pas le choix. Faut leur donner. C'est un mélange de lotier, un petit peu de luzerne, du trèfle, du gergeot, du mille qui est beaucoup trop mature. Même les plants de luzerne sont en fleurs. Le lotier, oui. Il est à 50% en fleurs. Mais les vaches font quand même pas mal de lait avec ça. On y va, les filles. On y va. Allez, allez. Allez, allez! Les grands brins, c'est la grande fétuque. La grande fétuque qu'on a semée, mais qu'on s'est rendu compte par après que les vaches à lait n'aiment pas ça. Fait que quand les vaches finissent une parcelle, on la fauche. En foin sec, ils en mangent un petit peu. Mais en général, on la fauche et on la laisse là. On finit par faire de la matière organique dans le sol. Comme ici, il y en a vraiment beaucoup. Les vaches vont manger un peu ce qu'il y a à travers, mais il va falloir finir par passer ça au roundup et recommencer. Allez, 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 on avance. Allez, on avance les filles. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez. Ici, c'est le pire bout, là. Il y a vraiment beaucoup de grandes fétuques. On a du mille. C'est très riche, le sol est très riche à cet endroit-là. Allez, allez, allez. Allez. Allez, les filles. Allez. Allez, allez, allez. Allez. Allez, on avance. Ah ouais, Grubule. Lâche de 88 points. Lâche là. Allez, on avance. Allez. 88 points. Allez, allez. Allez. Allez, les filles. Allez. Allez, allez. On avance. On avance. On avance. Allez, on avance. Allez. Disons que les vaches n'ont pas trop envie de rentrer. Ils ont passé la journée couchée parce qu'il faisait trop chaud. Mais pas le choix, c'est l'heure de la traite.